get low when the whistle go. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Revoico, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du nouveau jeu de catch WWE 2K16 qui va sortir en automne normalement, dans toutes les logiques. Sa sortie n'est pas officielle encore. Aujourd'hui, on va parler de quelques informations qu'on peut déjà savoir sur ce jeu et que je pense va décevoir beaucoup de gens. Donc voilà. Une personne de la TNA nous a déjà donné des informations sur ce jeu en mars 2015, et après d'autres informations plus récentes. Donc, 2K16 sera annoncé le roster le plus large qui n'ait jamais eu dans un jeu de vidéo. Je vais vous mettre à l'écran le roster de 2K15, et donc, je vous mets le roster de 2K15, et en regardant bien ce roster, vous allez voir que quand je dis les plus larges, ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup plus de superstars. Donc les superstars en eux-mêmes maintenant, là c'est sûr, ceux, je pense, des légendes et de l'NXT. Parce que je vois pas d'autres personnes qui pourraient se mettre, alors à part s'y mettre la TNA, mais c'est impossible. Donc l'éditeur américain annonce que 2K16 aura le plus large qu'il n'ait jamais eu dans les jeux vidéo de la WWE, le roster. Bien sûr, c'est sûr même, ils ont dit aussi que ce nouveau jeu sera beaucoup meilleur que 2K15, qui est une logique, quoi, j'ai envie de te dire, c'est impossible qu'il soit pas meilleur, parce que ils ont dit de toute façon que les graphiques allaient augmenter sur ce jeu, et je l'espère, parce que franchement, bon, c'était bien fait quand même, 2K15, mais j'aimerais bien voir un autre jeu plus graphique, enfin plus réaliste. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir d'autre? Il se pourrait que 2K16, alors ça va être une mauvaise nouvelle pour beaucoup de personnes, il se pourrait que 2K16 soit uniquement annoncé cette année sur PS4 et Xbox One. Ça va décevoir beaucoup de gens pour les anciennes consoles. Il est possible qu'il soit que sur PS4 et Xbox One. Après, c'est possible qu'ils mettent un autre jeu sur les anciennes consoles qu'on n'aura pas sur les nouvelles. Mais il se pourrait qu'il ne soit pas sur les anciennes consoles. Contrairement donc à 2K15, en fait, qui a eu le droit, parce que il a eu le droit à sa version en nouvelle console et ancienne, parce que vu que c'était leur premier jeu de catch 2K, et ben ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour avoir que sur les nouvelles consoles. Enfin voilà, c'est vraiment dans la tête des créateurs qu'il faut qu'ils améliorent beaucoup de choses. Ils ont plus assez de temps, voilà. Et je pense que cette année, ils ont eu assez de temps pour créer 2K16 que sur les nouvelles consoles. Donc qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Lutteur indépendant Chase Steven a récemment déclaré qu'un partenaire en lui-même réalise près d'une centaine mouvements par jour durant diverses de motion capture pour 2K16. Ça veut dire qu'en quelques jours, il réalise plus d'une centaine de mouvements. Ça veut dire les mouvements de catch, comment il se bat. Et tout ça dans une session de motion capture. Donc motion capture, c'est pour capturer les mouvements et les mettre du coup dans le jeu 2K16. Après, une bonne nouvelle. L'ancien star de la TNA, donc c'est lui qui a donné toutes ces informations, a dit que le jeu WWE 2K Games aura le droit au retour d'un mode de création plutôt apprécié par les femmes de la licence, créer ton finisher. Surtout, tais-toi le chat. Sur WWE 2K16, le mode créer ton finisher sera de retour. Et ça va être vraiment très cool. Et si je prononce un petit peu mal, ouais, c'est ma première fois, je crois, je donne des informations sur des jeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, on peut savoir qu'il y a déjà une personne de la NXT, une diva de la NXT qui sera présente dans le jeu, et c'est Sasha Banks. Je vous mettrai son image à l'écran, parce que là je parle sans mettre son image et tout. Donc Sasha Banks, qui est l'actuelle championne de la NXT, enfin je pense pas, je sais pas, je suis pas NXT. Sasha Banks sera présente dans le jeu 2K15.
C'est elle-même qui l'a confirmé sur Twitter, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Elle devrait bientôt commencer une session de motion capture, donc voilà, elle va commencer pour ça, pour ses mouvements à elle et tout, qui seront intégrés dans le jeu de catch. Après, il y a plusieurs fans aussi qui s'attendent à de nombreux catcheurs de la NXT. Donc vu qu'il est plus large, je pense vraiment qu'ils mettent beaucoup de joueurs d'NXT comme Kevin Owens, Finn Balor, Hideo Itami, Charlotte, Bayley, Becky Lynch, je sais pas comment on appelle ça, ou encore Tyler Breeze. Voilà, c'est ce qu'on peut savoir pour le moment de 2K16. Après, j'ai d'autres choses à vous dire, je vais juste aller sur le portable, parce que là j'étais sur Internet. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est possible que le jeu 2K16 soit annoncé sur PC. Ça veut dire que ça serait logique qu'il ne soit pas sur les anciennes consoles, mais il soit sur PC. Donc c'est une bonne nouvelle peut-être pour les anciennes, pour ceux qui ont les anciennes consoles et ils ont un PC niveau bombe. Donc ils pourront avoir le jeu sur PC. Logiquement, ça va être comme ça. Normalement, il sort sur PC, il sort sur les nouvelles consoles, mais pas les anciennes. Les commentateurs seront beaucoup plus élevés. Donc ça sera beaucoup mieux fait les commentateurs. C'est ce qui a marqué The Commentary will be better. Logiquement, will be better, ça doit être, ils vont être bien faits, enfin bien améliorés. Qu'est-ce qu'on peut savoir? On peut savoir que les titres, donc quand tu gagnes un titre, bon, les nouveaux champions et les managers ont de nouveaux animations. Enfin, il y a des nouveaux animations pour les champions et les managers. Ça, c'est bien. Alors, soit il parle des entrées, soit il parle du mode univers. On verra tout ça de toute façon dans quelques jours. Donc, Create a finished there est de retour, comme il y a marqué sur ce que j'ai. Donc, voilà. Sasha Banks est confirmé, comme je vous l'ai dit. Et il y a peut-être Zack Ryder sera de retour sur 2K16. Il est possible qu'il soit de retour sur 2K16. En tout cas, c'est ce qu'on peut savoir pour le moment sur le jeu 2K16 qui s'annonce lourd et j'espère qu'il va être très très bien. En tout cas, c'est sûr, je vais faire des vidéos dessus. Enfin, si ça m'intéresse bien, mais je pense que ça, il va être dément ce jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo d'information sur le nouveau jeu de catch. On est en mois d'avril, on connaît quelques informations, c'est déjà pas mal. Je rappelle qu'à SummerSlam, il y aura le WWE Access, donc on aura le roster en entier de 2K16, logiquement. C'est pas encore, peut-être ils ont modifié des trucs, parce que l'année dernière, ils ont modifié un truc, c'est qu'ils mettaient plus les entrées, ils mettaient juste les catcheurs, la photo des catcheurs. Du coup, ben, on voyait pas les entrées comme dans les anciens jeux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est ma première fois, donc je commente pas très 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 bien, voilà. Mais voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de partager. Et 2K16, vive 2K16, hein, j'espère qu'il va être vraiment amélioré sur les nouvelles consoles. Allez, salut et portez-vous bien.